Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu différente car on va s'étendre sur deux jeux différents sur le thème d'Halloween. Bon, ça va, on a compris. Le premier jeu que l'on va aborder est The Plague et je pense quand même que ce jeu a une situation auquel on n'aimerait pas se confronter un jour. Donc The Plague est un jeu type horreur en vue de la première personne, similaire à de nombreux jeux du même type comme la série du jeu de Slenderman. Alors le but du jeu est de ramasser les citrouilles dans le cimetière en évitant grand-père pour finir le jeu. Question, pourquoi tu l'appelles grand-père ? Eh bien c'est très simple, c'est parce que grand-père a une canne et surtout que c'est la terreur des maisons de retraite. Les vieux. Là, Fire 4, tu exagères. Je m'en fous, car faire une explication, c'est pas sorcier. Non, sérieusement, c'est un homme corbeau. Pour venir au jeu, le graphisme n'est pas mauvais, l'ambiance non plus, la musique est très bien par rapport à la situation. Ça, c'est que du bon côté. Mais je vais quand même parler des citrouilles ramassées parce qu'il faut en ramasser un certain nombre pour finir le jeu, c'est-à-dire plus de 1200 citrouilles. Plus de 1200 putains de citrouilles. Le pire, c'est que tu n'as pas le temps de tout ramasser parce que papy est là pour te choper et tu crèves comme une merde. De toute façon, globalité, pour moi, le jeu, ça ressemble plutôt à ça. Le jeu du nom de Slasher Boy est un jeu de plateforme toujours sur le thème d'Halloween où il suffit juste de traverser les niveaux comme dans n'importe quel autre jeu de plateforme classique. T'es vraiment con parce que dans tous les jeux de plateforme c'est comme ça. Tu veux qu'on reparle du Sam 4 ? On peut pas. Donc, pour parler du jeu, c'est assez joli, il respecte bien le thème d'Halloween et il est assez facile à jouer. Mais un détail qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de musique. Bon, sans déconner, de la musique, il n'y en a pas, donc je vais... Allez, j'arrête mes conneries. Concernant les niveaux, c'est pratiquement les mêmes, il n'y a aucune différence, mais il y a des trucs chiants, comme les ennemis qui sont invisibles et qui te butent, les ennemis à terre, et le pire, ce sont ces putains de plateformes. Non mais, sans déconner, tu passes ton temps à hésiter pour passer parce que tu sais pas si tu vas l'atteindre. Bordel de merde. Bon, comme il n'y a pas beaucoup de contenu sur le jeu, il n'y a pas grand chose à dire, donc je vais faire bref. Pour moi, le jeu, c'est ça. Voilà, c'est tout pour les jeux, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, de jeter un œil sur les réseaux sociaux, de partager la vidéo et bien entendu de vous abonner pour suivre les nouvelles vidéos qui vont sortir prochainement. Sur ce, je vous dis à la prochaine et joyeux Halloween!